Merci pour l'invitation et la présentation. Je suis ravi d'être ici. Je vous souhaite une bonne année 2013. Et je vous dis d'emblée mon admiration collective, puisque j'ai entendu dire que vous étiez capable d'ingérer des cours de marketing, de finance et de management plusieurs fois par semaine. Et pour moi, c'est un exploit. Donc je vous félicite. Comment vous pouvez accepter d'entendre ces choses à longueur de semaine? Vous devez avoir des qualités morales ou intellectuelles que je n'ai pas, et je vous félicite. Donc, moi, je vous parlais de physique, donc c'est quelque chose d'assez différent, et notamment d'imagination dans la physique, dans la façon de trouver des nouvelles idées ou de changer des points de vue sur l'univers et ses lois. Et la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en science, c'est pas comme en art, l'imaginaire a plutôt une mauvaise réputation. D'ailleurs, quand vous dites un malade imaginaire, c'est quelqu'un qui se croit malade et qui ne l'est pas. Donc l'imaginaire renvoie à l'erreur, à la fausseté, au mensonge, toutes sortes de choses que la science a vocation à dénoncer, à repérer et à détruire. Et même quand vous prenez l'imaginaire, non pas en tant qu'adjectif, comme dans le malade imaginaire, mais en tant que substantif, l'imaginaire, c'est souvent opposé à la raison. Et là encore, on retombe sur une notion qui, pour un scientifique, est une notion qui est le plus souvent contestée et soupçonnée d'induire en erreur ou de provoquer des illusions. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est que, en effet, l'imaginaire, c'est très dangereux, puisque la plupart du temps, ça conduit au délire. C'est-à-dire, on peut tout. La question que se pose le scientifique, c'est pas de savoir ce qu'on peut imaginer, c'est de savoir ce qui est vrai. Et l'imagination n'est pas forcément le meilleur vecteur vers la vérité. Moi, je suis physicien, j'écris des bouquins, et toutes les semaines, je reçois, et même plusieurs fois par semaine, des manuscrits d'ingénieurs à la retraite, ou de médecins à la retraite, qui sont parfois pas à la retraite, qui m'envoient des théories qu'ils ont imaginées. Et ils me disent, monsieur, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que dans le noyau des atomes, il n'y a pas de l'eau liquide ? Et je leur dis, oui, on peut l'imaginer, puisque vous l'avez imaginé. Donc on peut l'imaginer. La question est-ce qu'il est vrai qu'il y a de l'eau dans les noyaux d'atomes ? Et ça, c'est une autre question, beaucoup plus difficile que le fait d'imaginer qu'il y en a. D'accord ? Mais donc, ce que je vais vous montrer, enfin, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, il y a une dialectique subtil entre l'imaginaire et la raison, un peu comme celle qu'on trouve dans un bateau à voile entre la voile et la dérive. C'est la voile qui fait avancer le bateau, et c'est la dérive, c'est-à-dire la raison, qui l'empêche de dériver. Donc l'imaginaire, c'est la voile, et la dérive, c'est la raison. Et il y a une dialectique entre les deux qui fait avancer les idées. Alors pourquoi est-ce que l'imaginaire doit jouer un rôle en physique ? C'est parce que la physique moderne, c'est une discipline très récente. Elle a été inventée, si on peut dire, même s'il y a tout un mouvement qui l'a précédé, par Galilée, 17e siècle. Galilée qui, en fait, a compris une chose qui est fondamentale, c'est que le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique, c'est-à-dire les phénomènes qu'on observe, non pas par l'observation, mais par ce qu'il appelle l'impossible. Autrement dit, il comprend que les lois physiques qui expliquent les phénomènes empiriques qu'on voit autour de nous correspondent à des énoncés qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, nous semblent faux. Et donc on explique le réel par l'impossible, c'est-à-dire par des discours qui, en apparence, disent des choses délirantes. Alors qu'avant, la physique qu'on enseignait au moins en Occident, c'est la physique d'Aristote, qui est une physique qui se contente d'observer les phénomènes, de ne pas faire d'expérience. On observe et on explique les phénomènes à partir des causes finales. On explique que si les corps tombent, c'est parce qu'ils sont mieux en bas qu'en haut. Voilà. On ne dit pas comment ils tombent, selon quelle loi cinématique, mais on explique pourquoi ils tombent. Et Galilée, lui, renonce aux causes finales, en disant c'est trop facile, parce que si on prend les causes finales vraiment au sérieux, on va expliquer que s'il y a des marques sur la peau d'un melon,
C'est parce qu'elles permettent d'aider le père de famille à découper le melon en tranches égales. Et donc on explique tout ce qui est par l'usage qu'on peut faire de telle ou telle propriété qu'on observe. Alors je vais vous donner un exemple d'une loi physique, la première d'ailleurs qui soit une loi de la physique moderne, qui montre que, effectivement, le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. Et cette loi, c'est la chute des corps. Je pense que vous avez quand même fait un peu de physique, même si les sirènes du commerce vous ont rapidement happé, et vous n'avez pas su résister, c'est pour ça que je vous admire. Enfin, je vous admire. Il y a un peu d'ironie dans mon propos. Quand vous faites une expérience de chute des corps, par exemple, vous prenez un corps massif et un corps moins massif, par exemple une boule de pétanque et une balle de tennis, vous les laissez tomber en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la boule de pétanque va toucher le sol avant la balle de tennis. Les gens observent ce phénomène depuis des millénaires. Aristote est passé par là, a théorisé la loi dans son bouquin La Physique, en disant qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Et c'est exactement ce qu'on observe. Et pendant des siècles, les gens enseignent cette loi. Personne ne trouve à y redire, tout simplement parce qu'elle est conforme à ce qu'on observe. Et puis arrive Galilée en 1604, qui pose la question suivante. La question qui m'intéresse, dit-il, n'est pas de savoir si cette loi d'Aristote est conforme à l'observation. La question qui m'intéresse est de savoir si cette loi est vraie. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Alors évidemment, vous avez lu l'histoire de la tour de Pise. Galilée qui monte au sommet de la tour de Pise, qui laisse tomber des objets pour voir lesquels arrivent au sol en premier. Vous savez que cette histoire est fausse. Galilée n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise. C'est une légende inventée par un de ses élèves qui s'appelle Baliani. Et d'ailleurs, que se serait-il passé s'il était monté au sommet de la tour de Pise? A laissé tomber des boules de pétanque et des balles de tennis, en convoquant tous les sorbonnards de l'époque qui étaient aristotéliciens. Il laisse tomber les boules de pétanque, les balles de tennis, et il voit, comme tous les autres qui le savent déjà, puisqu'ils sont aristotéliciens, que les boules de pétanque touchent le sol avant les balles de tennis. Et donc, s'il avait fait l'expérience, elle aurait prouvé à Aristote que lui avait mis en doute. Et donc, ce que va faire Galilée, c'est tout à fait autre chose, qui est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ce n'est pas une expérience mentale. C'est une expérience qu'on imagine, qu'on ne peut pas facilement réaliser, mais on imagine qu'on réalise, qu'on la réalise, et on suppose que la théorie qui nous intéresse est juste, et on regarde quelles implications cette théorie a à propos de l'expérience qu'on imagine. Et donc Galilée fait l'hypothèse qu'Aristote a raison. Il fait l'hypothèse que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et ensuite, il imagine une expérience qui est la suivante. Je prends une boule de pétanque, je prends une balle de tennis. D'après Aristote, dont je postule qu'il a raison, la boule de pétanque va tomber plus vite que la balle de tennis. Donc je suppose que c'est vrai. En tout cas, c'est conforme à l'observation et c'est ce que dit Aristote. Ensuite, j'imagine une autre expérience qui consiste à mettre une ficelle qui relie la boule de pétanque à la balle de tennis. Et donc, je fabrique ainsi un système qui est plus lourd que la boule de pétanque. Okay. Et si Aristote a raison, alors ce système qui est plus lourd que la boule de pétanque doit tomber plus vite que la boule de pétanque. Okay. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis qui est moins lourde tombe moins vite, donc la corde va se tendre, et la balle de tennis va se retrouver au-dessus de la boule de pétanque, faire parachute,
Et l'ensemble va donc tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Donc vous voyez qu'à partir d'une condition initiale qui est la même dans les deux cas, en supposant que la loi d'Aristote est juste, j'aboutis à deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Autrement dit, Galilée voit que des gens, on peut enseigner pendant des siècles une loi sans même se rendre compte que cette loi contenait une contradiction logique. La loi d'Aristote est conforme aux observations, mais elle est fausse. Ok? Je crois qu'il y a eu un sujet de bac il y a 2 ans pour les séries scientifiques en philo qui était « Peut-on avoir raison contre les faits ?» Je me suis laissé dire, c'était juste au moment de l'affaire Strauss-Kahn, que la majorité des élèves ont argumenté à partir de l'affaire Strauss-Kahn. À mon avis, ce n'était pas le bon plan. Et la réponse à la question, qu'il ne fallait pas donner d'ailleurs, parce que si on avait dit oui, on peut avoir raison contre les faits, je pense qu'on aurait une mauvaise note. En science, on dit les faits sont premiers. C'est la matière principale de la science. Une théorie qui contredit les faits est fausse. Eh bien non. Ben non. Pas forcément. Puisque la loi de Galilée dit que pour résoudre ce paradoxe, la seule solution possible, c'est de supposer que tous les corps tombent à la même vitesse. Autrement dit, la boule de pétanque tombe exactement comme la balle de tennis. C'est pas ce qu'on voit. Et donc cette loi, si vous la croyez, vous oblige à réinterpréter les faits. Et donc à dire que quand vous faites une expérience de chute des corps, il y a la gravité qui agit. Et cette gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse. Et puis il y a une autre force, qui est la résistance de l'air, qui, elle, va se manifester de façon plus forte pour la balle de tennis que la boule de pétanque. Et c'est elle, et seulement elle, qui n'a rien à voir avec la gravité, qui va faire que la boule de pétanque, en apparence, tombe plus vite que la balle de tennis. Autrement dit, si vous croyez à la loi de Galilée, vous êtes obligé de réinterpréter les faits et de voir que vous les, de constater que vous les aviez lus selon un cadre d'interprétation qui se révèle faux. Donc si vous croyez à la loi, qui semble impossible, puisque personne n'a jamais vu, en tout cas, tant qu'on n'a pas réussi à faire le vide, ou aller sur la Lune, on n'a jamais vu des corps de masse différentes tomber à la même vitesse. Et donc vous avez un exemple d'une loi physique vraie qui dit le contraire de ce que vous observez. Et donc tous les gens qui vous expliquent qu'il faut tirer ces idées du réel, de l'observation, se trompent. Pour trouver les lois physiques, il ne faut pas lire des livres déjà écrit. Il ne faut pas observer les phénomènes comme ça. Pour aller trouver, il faut vraiment aller les chercher. Aller les chercher, ça veut dire théoriser, c'est-à-dire imaginer des lois, et ensuite créer des conditions expérimentales qui permettent de les tester, voir si elles sont justes ou pas. Bon. Ce qu'a découvert Galilée, c'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. C'est-à-dire les corps, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur composition chimique, tombent exactement de la même façon. Et ce que je vous ai montré, c'est que cette loi n'a pas pu être trouvée par l'observation scrupuleuse de la réalité. Elle a été trouvée en mettant en jeu une forme d'imagination qui a été requise pour élaborer cette expérience de pensée. Ça veut dire que les lois physiques, elles sont cachées. Elles ne sont pas directement lisibles. Et d'ailleurs, vous constaterez un truc assez rigolo, qui est que la chute des corps contient exactement les mêmes lettres, c'est ce qu'on appelle une anagramme, que
hors du spectacle. D'accord? La loi de la chute des corps, elle est hors du spectacle. Vous pouvez regarder toutes les expériences que vous voulez, vous ne la lirez jamais directement à partir des expériences, sauf si ces expériences sont faites dans le vide. Ok? Alors, pour être sûr que vous avez bien compris ce que je viens de dire, imaginez l'expérience suivante. C'est une autre expérience de pensée. Bon, vous faites du commerce, mais vous savez quand même que la Terre tourne autour du Soleil. Moi, je tiens à me rassurer. Vous ne dites pas tous oui, hein. Donc dites oui collectivement. Vous le savez. Ce qui est un énoncé discutable, puisque certes, la Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil, il tourne autour d'autre chose. D'accord? Donc déjà, l'énoncé que j'ai dit là est discutable. Mais bon, vous le connaissiez, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et donc, je prends l'expérience suivante. J'ai le Soleil, j'ai la Terre qui tourne autour, et comme vous le savez, la force qui les relie, c'est la gravitation. Et quand vous faites des petits calculs, vous vous rendez compte que la trajectoire de la Terre autour du Soleil est une ellipse. Ok? Maintenant, je fais une expérience de pensée. J'imagine que j'ai les moyens de remplacer la Terre par un autre objet de masse différente. Par exemple, je sors la Terre de ce truc-là et je la remplace par une théière que je mets au même endroit avec la même vitesse. Question, quelle est la trajectoire de la théière? Qui pense qu'elle part à l'infini? Qui pense qu'elle tombe sur le Soleil? Que pensent les autres? Quoi? Elle tourne selon une autre ellipse. Bon, la bonne réponse, c'est qu'elle a exactement la même trajectoire que la Terre. Autrement dit, vous êtes allé loin en terminale. En terminale, vous avez étudié un peu la gravitation, les lois de Newton. Ok? Mais vous n'avez pas intégré ce qu'impliquent les équations de Newton. Autrement dit, vous connaissez la physique de Newton, mais vous avez une conception de la gravitation qui est aristotélicienne. Autrement dit, vous n'avez pas réfléchi, et je vous le dis à vous, mais je le dirai à mes étudiants qui sont scientifiques à Centrale. Les gens apprennent les équations, mais n'imaginent pas ce qu'elles impliquent. En fait, le mouvement d'un corps, quel qu'il soit, dans un champ de gravitation, est indépendant de sa masse. C'est un prolongement de l'université de la chute des corps de Galilée que j'ai évoqué. Le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. Et d'ailleurs, s'il en dépendait, est-ce que vous pensez vraiment que les astronautes américains pourraient sortir de la navette? Hein, la masse d'un corps d'astronaute, c'est pas la même que celle d'une navette spatiale. Quand l'astronaute sort, il peut revenir. Si la trajectoire dépendait de la masse, la navette irait comme ceci et l'astronaute irait comme cela. Donc vous avez déjà vu des images qui montrent que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend de la masse. Et vous n'avez pas imaginé ce que ça impliquait. Et donc, comme mes étudiants qui sont pourtant scientifiques, vous pensez, comme Aristote, que la gravitation a à voir avec la masse. Donc, l'imagination, c'est pas forcément d'aller chercher dans un ailleurs des nouvelles idées. Ça commence par regarder ce qu'impliquent vraiment les idées que nous avons. Et les gens qui arrivent à faire ça, ce sont les grands créateurs. Les mecs géniaux. Il ne faut pas imaginer qu'un génie, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir à des situations très compliquées. Un vrai génie, c'est quelqu'un, le plus souvent, parce que je ne veux pas les cataloguer, qui est capable, à propos d'une situation simple, de changer le regard. Et donc, plutôt que de faire l'éloge de l'imagination,
qui, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, est quand même dangereuse au sens où elle conduit le plus souvent à délirer, il faut plutôt faire l'éloge des changements de point de vue. C'est-à-dire que vous prenez une situation qui est bien connue, pour laquelle on connaît des lois, et vous regardez s'il n'y a pas une autre façon de la considérer, donc un autre point de vue, qui permettrait d'aboutir à une lecture différente et peut-être à un retournement conceptuel. Je vous donne un exemple, parce que pour moi, le plus grand créateur en physique, à part Newton, et peut-être Galilée, c'est Einstein. Einstein, en 1905, comme vous le savez, il fait cinq papiers incroyables, chacun dans son secteur, révolutionne la physique. Un papier sur l'atome, un papier sur la lumière, un papier sur la relativité, un papier sur E égale MC2, et un papier sur la dimension des molécules. 2 ans plus tard, en 1907, il n'a toujours pas de poste à l'université. Alors chaque papier méritait le prix Nobel. Il est toujours assistant de troisième classe au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, c'est-à-dire il s'occupe des brevets. Et un après-midi de mai 1907, il glande un peu. C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Glander un peu, ça veut dire qu'il est assis sur son tabouret, il s'endort à moitié seulement. C'est-à-dire, il fait une sorte de rêverie éveillée. Einstein pensait avec son corps, c'est-à-dire, il mettait son corps en situation, au sens où il imaginait des expériences de pensée qui mobilisaient son propre corps. Du genre, qu'est-ce qui se passerait si mon corps était dans telle situation? Et dans ses mémoires, il raconte que cet après-midi de mai 1907, il a l'idée la plus heureuse de sa vie. Et c'est quoi cette idée? C'est qu'il comprend qu'un corps ou un observateur qui est en chute libre ne sent pas son poids. Si vous tombez, vous ne sentez plus votre propre poids. OK? Alors il raconte que cette idée l'a complètement bouleversé, il a eu des palpitations. Et 10 ans plus tard, même plutôt 8 ans plus tard, en 1915, cette idée qui a fécondé tout un travail mathématique sur la gravitation va engendrer une nouvelle théorie de la gravitation qu'on appelle la relativité générale, qu'Einstein publie en 1915. Mais l'idée initiale, c'est celle que je viens de dire. Or, cette idée qu'un corps qui tombe ne sent pas son propre poids est assez bizarre. Parce que si vous tombez, c'est sous l'effet du poids. Alors comment le fait de tomber peut-il annuler la cause qui vous fait tomber? Mais en même temps, quand vous tombez, comme tous les objets autour de vous, quelle que soit leur masse, tombent comme vous, par rapport à vous, ils ne tombent pas. Autrement dit, pendant que vous tombez, votre parapluie tombe comme vous, votre chapeau tombe comme vous, votre portefeuille tombe comme vous. Et donc, par rapport à vous, ces objets sont en apesanteur. C'est-à-dire, tout se passe comme si ces objets n'avaient pas de poids. D'où l'idée que le fait de tomber annule le poids. Einstein n'a rien inventé. Ce que je viens de dire là, c'est écrit dans les équations de Newton, qui date de 1667. C'est un peu comme l'histoire de la chute des corps. Les types apprennent des lois, les enseignent, les répètent, les appliquent à la mécanique céleste, mais ils ne regardent pas ce qu'elles impliquent conceptuellement. Et Einstein est le premier à comprendre ça. Alors que c'était écrit noir sur blanc dans les équations de Newton. Et ça va l'amener à considérer, et même à formuler ce qu'il appelle le principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'une accélération. Par exemple, si vous montez dans un ascenseur verticalement, avec une accélération verticale vers le haut, qui est égale à l'accélération de la pesanteur, tout se passera pour vous comme si vous étiez soumis à votre poids. Autrement dit, une accélération peut simuler un champ de gravitation. Et donc, il y a une sorte d'équivalence entre la gravitation et l'accélération. Et c'est cette équivalence qu'Einstein va formuler dans sa théorie de la relativité générale,
qui rejoint d'ailleurs l'idée qui est là, c'est que j'ai dit tout à l'heure, une théière, une pomme, la Terre, Jupiter, ou n'importe quel autre objet mis à la place de la Terre a la même trajectoire. Ce qui veut dire que la trajectoire du corps dans un champ de gravitation est une trajectoire absolue. Absolue au sens où elle ne dépend pas de sa masse. Et si elle est absolue et ne dépend pas de la masse, ça veut dire que la gravitation peut être géométrisée. Elle peut être géométrisée. Ça veut dire que la gravitation n'est plus une force qui s'exerce à distance entre les objets. Ça devient une déformation de la structure même de l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui est déformé. Les objets massifs sont mis dedans. Leur trajectoire dans ce champ d'espace-temps déformé ne dépend pas de leur masse. Et c'est la courbure de l'espace-temps qui leur donne la trajectoire qu'on observe. Et donc, au lieu de dire la Terre est attirée par le Soleil par la force de gravitation de Newton, il faut dire il n'y a pas de force. Simplement, le Soleil déforme l'espace-temps et creuse l'espace-temps autour de lui. Et la Terre tourne autour du Soleil dans cette géométrie déformée, sans subir de force, un peu comme une bille que vous faites tourner dans un bol. C'est la déformation du bol qui crée le mouvement, et non pas une force qui relierait le centre du bol avec l'objet. Vous voyez qu'il y a un changement complet de point de vue, ce qu'on appelle une révolution conceptuelle. Et Einstein, quand il a eu cette idée, évidemment, a voulu savoir si elle était vraie. Il habitait Berne à l'époque, et à Berne, il y avait un couvreur, donc un monsieur qui travaillait sur les toits, qui était célèbre par le fait qu'il était tombé d'un toit d'un immeuble de 5 étages, et comme dans les films, il était tombé sur un tas de foin, il s'en était sorti sans blessure. Einstein est allé le voir, lui a demandé « Monsieur, pendant la chute libre, est-ce que vous sentiez votre propre poids ?» Et le type a répondu qu'il était mort de trouille et qu'il n'avait pas eu le temps de réfléchir à la question. Mais ceux d'entre vous qui ont fait de l'alpinisme, qui se sont pris un petit gadin, un petit dévissage, ont pu faire cette expérience. Plus ou moins volontairement. Alors quand c'est volontaire, on a le temps d'y réfléchir. Ça m'est arrivé volontairement, et effectivement, on ne sent pas son poids. Ça ne dure pas longtemps. Quand ça dure longtemps, c'est que c'est grave. Mais donc, voilà une expérience toute simple, dont les implications conceptuelles sont considérables, mais que personne n'avait jamais vu. Ok ? Alors, j'ai continué par d'autres exemples, et après on discutera. Pour préparer cet exposé, que j'ai d'ailleurs assez peu préparé, j'ai regardé ce que racontent les mathématiciens. Comment est-ce que les mathématiciens ont leurs idées de génie ? Alors on peut lire j'ai lu les travaux d'Ampère, qui était physicien mais surtout mathématicien, de Gauss, grand mathématicien du XIXe siècle, de Poincaré, qui est mort il y a exactement 100 ans. Et ces gens racontent à peu près toujours la même chose. Je réfléchissais à un problème depuis des années, et tout d'un coup, Eureka, je trouve. Alors soit par chance, ce qu'on appelle la sérendipité, c'est le hasard qui fait qu'on trouve ce qu'on ne cherchait pas en ne trouvant pas ce qu'on cherchait. Ça peut être la grâce de Dieu, comme dit Gauss, ou ça peut être un événement tout banal dans la vie quotidienne. Par exemple, Poincaré, en 1904, raconte qu'il a eu, c'est un texte très célèbre, qu'il a d'ailleurs raconté à la Société française de psychologie, parce que les psychologues s'intéressaient à l'époque à la découverte, qu'est-ce qui fait qu'on a une idée ? Et Poincaré raconte qu'il était à Caen, où il habitait, et il travaillait sur les fonctions fuchsiennes, des fonctions mathématiques très inutiles dans le commerce. Donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, du nom d'un mathématicien qui s'appelle Fuchs, c'est des fonctions qui sont automorphes. Et il se demandait ce que c'était que ces trucs-là, comment est-ce qu'on pouvait les théoriser, etc. Il travaille beaucoup, il ne trouve pas de solution. Il perd le sommeil, il se met à boire du café, qui lui fait encore plus perdre le sommeil, il commence à vraiment déprimer. Et puis il décide de tout lâcher, de passer à autre chose. Et il raconte qu'il reçoit une invitation de l'école des mines pour une sortie à Coutances pour examiner des cristaux dans les roches. Donc il prend un train depuis Caen jusqu'à Coutances, et à Coutances, il monte dans un omnibus.
en discutant avec un copain. Il raconte très bien dans un texte que je pourrais vous lire tout à l'heure, qu'en mettant le pied sur la marche de l'omnibus, il a la solution. Alors que trois nanosecondes avant, il discutait, il pensait à autre chose. En une fraction de seconde, il a la solution. Et il sait qu'il l'a. Et il monte dans l'omnibus en continuant la même discussion que celle qu'il avait engagée avant avec son collègue. Il dit, je savais que le soir, je pourrais faire la démonstration complète. Et le soir, il rentre chez lui et il démontre toutes les propriétés et fonctions fonctionnelles. Vous voyez qu'on est dans une situation où il y a une sorte de travail qui accumule des tensions sans produire de résultats. On lâche. Et ce fait de lâcher qui permet aux bonnes idées de sortir. Et à cette occasion-là, Poincaré utilise le mot inconscient dans son texte, qui est pourtant paru avant que Freud, en 1905, théorise l'inconscient. Et il en fait d'ailleurs une image assez caricaturale. Il imagine que l'inconscient, c'est un truc dans lequel il y a plein d'idées atomiques. Il y a des idées qui sont isolées les unes des autres, chaotiques, qui n'arrivent pas à s'agencer, qui sont donc délirantes, d'une certaine façon. Mais de temps en temps, certaines de ces idées arrivent à percoler jusqu'à la conscience. Et le grand mathématicien, dit-il, c'est le gars qui est capable de saisir ces idées venant de l'inconscient qui émergent dans la conscience au moment où elles le font, pour les retenir et les insérer dans un cadre conceptuel qui va donner sens à tout ça. Mais si je raconte cette histoire, c'est parce qu'elle est assez singulière au sens où la plupart des autres mathématiciens n'expliquent pas comment leurs idées leur viennent. Ils disent « j'ai eu un eureka ». Donc il y a un avant, il y a un après, mais ce qui se passe réellement pendant la transition n'est pas décrit. C'est comme si la découverte échappait à la conscience de celui qui l'a produit. Alors, si on passe maintenant à la physique, bon, la physique a énormément d'exemples parce qu'il y a beaucoup de découvertes en physique. Toute la physique se construit contre le sens commun. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas en regardant les régularités du réel qu'on a des idées en physique. Songez à toutes les lois physiques que vous connaissez, que vous avez apprises au lycée. Normalement, quand vous les avez entendues la première fois, elles ont dû vous apparaître fausses. Par exemple, une des premières lois que vous avez sans doute apprises, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force, a un mouvement rectiligne uniforme. Et il va en ligne droite, à une vitesse constante. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie, qui a été formulé par Galilée, justement. Est-ce que vous avez jamais vu, dans votre existence, un mouvement inertiel? Non. Personne n'en a jamais vu. Tous les mouvements que nous observons s'amortissent. Ou bien les corps, comme les objets célestes, planètes et autres, subissent des forces. Et donc leur mouvement n'est pas universel, n'est pas inertiel. Et c'est d'autant plus vrai qu'on sait aujourd'hui qu'il y a de la masse partout, dans l'univers. Donc il y a de la gravité partout. Il y a de la gravité partout, donc il n'y a aucun endroit où les corps massifs ne soient pas soumis à des forces. Vous voyez que la mécanique que vous avez apprise s'est bâtie intégralement sur un principe, le principe d'inertie, qui est un principe canonique dont personne n'a jamais vu la réalisation. Mais c'est ce principe qu'on invoque pour expliquer l'amortissement des corps dont nous observons les mouvements. Donc, les seules choses que nous observons, ce sont des violations du principe qui nous permet de comprendre les mouvements que nous observons. Donc, je ne vous fais pas un dessin sur le travail d'imagination qu'il a fallu accomplir pour parvenir à ce résultat. C'est-à-dire arriver à énoncer des lois qui sont constamment contredites par l'observation. En recevant les colibets
des Aristotéliciens, des Claude Allègre, etc. Ça vous couperait au montage. Il y a des gens qui invoquent le bon sens pour contester la science. Ce que moi j'appelle le populisme scientifique. Quand les scientifiques disent des choses un peu dérangeantes, il y a des gens qui viennent contester les scientifiques en invoquant le bon sens. Mais le bon sens, il y a bien longtemps qu'il est mort. Le bon sens, depuis Galilée, c'est foutu. Toutes nos préjugés sont faux, toutes nos intuitions sont fausses. Le sens commun est une tromperie. Mais il a une bonne presse, et il permet de tenir des discours populistes, comme on l'a vu à l'occasion de la fausse controverse sur le changement climatique. Vous avez vu ça, hein ? Où des gens viennent vous expliquer que les scientifiques sont des ayatollahs, qui se sont mis d'accord pour dire certaines choses qui les arrangent, mais qu'entre leur discours et la vérité, il n'y a aucun lien de connexion envisageable. Et ces gens vous expliquent que les climatologues sont des imposteurs, puisqu'ils prétendent qu'on peut prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut déjà pas prédire la météo sur 3 jours. Ça, c'est du bon sens. Et Madame Michu se dit, ah ben ouais, c'est vrai. Je ne sais pas quelle météo il y aura à Paris la semaine prochaine. Et donc, comment est-ce que je pourrais connaître le climat en 2100 ? Vous avez là un argument populiste qui vient ridiculiser le discours scientifique. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces phrases ont été répétées des dizaines de fois à la télévision, et jamais un journaliste qui interrogeait ces messieurs ne leur a dit « Mais messieurs, si vous aviez raison, c'est-à-dire si on ne pouvait pas prédire le climat sur un siècle, au motif qu'on ne peut pas prédire la météo sur une semaine, alors je n'aurais pas le droit de dire qu'à Cergy Pontoise, en août 2013, il fera en moyenne plus chaud qu'en janvier 2013 ?» Et pourtant, je vous le dis, c'est ça qui va se passer. En août 2013, à Cergy, il fera plus chaud qu'en janvier 2013. Ce qui veut bien dire que je suis capable de faire une prédiction climatique dont l'échéance temporelle va bien au-delà de l'horizon des prédictions météorologiques. De la même façon que vous qui faites de la finance, vous êtes incapable de prédire la valeur du CAC 40 de la semaine prochaine, mais vous êtes capable de prédire le taux de croissance de 2013. Autrement dit, vous êtes capable de faire la différence entre une fluctuation et une tendance moyenne. Et donc, je vous dis ça, ce n'est pas vraiment le sujet, mais puisque vous avez cessé de faire des sciences dures, la seule chose que je puisse vous recommander, c'est de vous méfier du populisme scientifique. Et de temps en temps, d'exercer votre esprit critique, ou bien en augmentant vos connaissances, pour voir ce qu'il en est de la réalité des discours scientifiques qu'on vous assène dans les médias. Alors, il y a des situations dans lesquelles les conditions de la découverte sont parfaitement mystérieuses. Il y a un physicien que vous connaissez peut-être qui s'appelle Schrödinger. Est-ce que vous le connaissez ? C'est un physicien autrichien qui a écrit en 1925 une équation qui porte son nom, qui est une des équations fondamentales de la mécanique quantique. On appelle ça l'équation de Schrödinger. Vous avez peut-être entendu parler également du chat de Schrödinger. Et en fait, il a fait cette découverte autour de Noël 1925. En 1924, il avait lu la thèse d'un physicien français qui s'appelle Louis de Broglie, qui expliquait qu'aux particules de matière, on peut associer des ondes. Einstein avait montré que dans la lumière, il y a des corpuscules, les objets matériels, ce qu'on appelle les quantas lumineux, qu'on appellera plus tard les photons. Et donc, aux ondes de lumière, on associe des corpuscules, et de Broglie fait l'inverse. Aux particules de matière, il associe des ondes. Et la question que se pose Schrödinger en 1924, c'est quelle est l'équation qui pilote l'évolution de ces ondes associées à la matière ?
Ils cherchent, ils trouvent rien, ils commencent à déprimer, et pour sortir de sa déprime, il demande à sa femme l'autorisation de partir au sport d'hiver dans une station suisse des Grisons, qui s'appelle Arosa, en Italie, je crois, en Italie-Suisse, pendant les vacances de Noël, avec l'une de ses maîtresses. Sa femme lui dit « Mais bien sûr, mon chéri, vas-y ». Et il part avec une de ses maîtresses à Arosa, et il découvre l'équation de Schrödinger, à l'issue de ce qu'il appellera par la suite un épisode érotique, fulgurant et tardif. Il avait dit tardif parce qu'il avait 37 ans. C'est un grand amateur de femmes, et donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On imagine que la maîtresse en question, dont l'identité n'a jamais été retrouvée, bien qu'il y ait des étudiants autrichiens qui fassent des tests d'histoire pour essayer de retrouver la dame, a participé sans doute activement à la découverte, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Mais il est, disons, il est passé par des phases qui lui ont permis de trouver son équation. Et donc il y a une nimbe de mystère qui entoure cette découverte, et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est pour vous dire que les voies de la découverte sont très multiples. Il y en a qui mettent le pied sur un omnibus, ça marche. Il y en a qui ont besoin d'un épisode érotique pendant plusieurs jours. Et ça ne marche pas pour tout le monde de la même façon. C'est-à-dire, vous faites monter un omnibus par Schrödinger, il ne se passe rien. Bon. Et donc chacun son truc. Simplement, pour savoir quel est son truc, il faut déjà faire une découverte. C'est une fois qu'on a fait une découverte qu'on peut savoir ce qui fonctionne pour la faire. Alors, il y a des situations où c'est un peu plus explicite. Par exemple, il y a un physicien à peu près de la même époque qui s'appelle Dirac. Paul Dirac est un physicien britannique qui a prédit l'existence de l'antimatière. Donc, il a prédit l'existence des antiparticules à une époque où on n'en avait jamais découvert. Par exemple, à l'époque, en 1928, on connaissait comme particule l'électron, le proton et le photon. C'est tout. Et lui montre que si on veut satisfaire aux exigences de la relativité qui décrit les particules très rapides et de la mécanique quantique qui décrit les objets très petits, et dans le rayonnement cosmique, par exemple, il y a des objets qui vont très vite et qui sont très petits, donc si on veut les décrire, il faut marier la physique quantique et la relativité, et bien il faut une nouvelle équation. Quelle est cette équation ? Bon, ce serait très long à vous raconter, donc je ne vais pas le faire, mais il finit par trouver une équation qu'il publie. Et cette équation implique que si on interdit les voyages dans le temps, alors cette équation implique l'existence d'antiparticules, c'est-à-dire de particules de même masse que les particules connues, mais de charges électriques opposées. Donc il prédit par exemple l'existence du positron, qui est l'antiparticule de l'électron, de charges électriques opposées, c'est-à-dire positives, et de même masse que l'électron. Et un peu plus tard, dans le rayonnement cosmique, on détecte par hasard le positron, prix Nobel pour tout le monde, etc. Donc c'est une histoire absolument fabuleuse que je vous recommande de lire en détail. Ça s'étale entre 1928 et 1931. Donc c'est pas une histoire comme ça d'une semaine. Il y a toutes sortes d'épisodes absolument passionnants qui vous montre comment on est capable de trouver une équation, de penser ce qu'elle implique, alors même qu'on n'a aucune impulsion empirique pour le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signal qui vienne de la réalité qui vous pilote dans l'élaboration de cette équation. Vous devez trouver vos propres critères. Ça veut dire que personne s'était trompé quand il disait que quand l'intuition ne fonctionne plus, l'intellect tombe en panne. C'est faux. Même quand il n'y a plus d'images, même lorsqu'il n'y a plus de données empiriques, même lorsqu'il n'y a plus d'intuition fiable, l'intellect continue à fonctionner. En s'appuyant sur des notions différentes de celles qu'il manipule d'habitude. Et Dirac pressent une chose importante, qui n'arrive pas à déduire très clairement de son équation, il comprend un truc, qui est que dans une collision de particules comme celle qu'on fait au CERN, dans le laboratoire où je travaille, par exemple au CERN, on fait des collisions n'importe quoi, par exemple de protons avec des protons, comme au LHC, on a découvert le boson de Higgs il n'y a pas longtemps, on fait des collisions,
Et on voit qu'à chaque fois qu'on crée une particule, par exemple un électron, on crée nécessairement son antiparticule. L'électron négatif, le positron positif. Autrement dit, on ne peut créer les particules que par paire. Vous ne pouvez pas créer un électron sans créer un positron. Et dans cette opération, c'est l'énergie cinétique des particules incidentes, leur mouvement si vous préférez, qui se convertit en masse. C'est E égale mc2, il y a l'énergie cinétique qui devient de la masse. C'est incroyable, parce que l'énergie cinétique, c'est une propriété des objets. Et là, vous avez une situation dans laquelle une propriété d'un objet devient un objet. Enfin, une propriété d'une particule devient une particule. C'est aussi bizarre que si je vous disais que la hauteur de la tour Eiffel, qui est une propriété de la tour Eiffel, devenait la tour Montparnasse. Donc la vitesse d'un taxi pouvait devenir un scooter. Ça, c'est la physique qui nous a montré ça. Et je peux vous dire que, avant qu'Einstein écrive E égale mc2 et comprenne ce qu'elle signifie, personne n'avait imaginé ça. Autrement dit, là, vous êtes dans des situations. Vous produisez un résultat pour certaines considérations liées à l'électromagnétisme, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous arrivez à l'équation, et c'est l'interprétation de l'équation qui vous oblige à penser des choses que personne n'avait jamais pensées. D'accord? Donc la physique peut aussi, c'est l'exemple que je vous donne là, produire des résultats par son mécanisme interne que personne n'avait imaginé. Il y a des gens qui sont amusés à étudier tous les systèmes philosophiques que j'avais produits, y compris dans des sociétés non scientifiques. Bien, personne n'avait imaginé qu'on pouvait transformer la propriété d'un objet en un objet. C'est pour ça que l'imagination, c'est un concept compliqué. Parce que d'une part, elle peut vous tromper, mais d'autre part, la raison peut vous conduire à admettre des résultats que vous n'aviez jamais imaginés. C'est la dialectique que j'évoquais tout à l'heure, qui est des résultats qui vous obligent à réenclencher dans votre esprit un imaginaire parce qu'il n'avait pas envisagé ce que la raison vous impose de penser. Alors je reviens à ça, et Dirac, c'est un type très compliqué, très bizarre, qui parlait très peu, il répondait par oui aux questions parce qu'il pensait qu'on ne devait dire que des choses vraies. Il n'avait pas compris que le langage, c'est fatigue, hein, ça permet de communiquer. Il ne voulait dire que des choses vraies, et donc en fait, il ne disait pas grand-chose. Et les gens ne savaient pas très bien comment l'aborder pour discuter avec lui. Paoli, un autre physicien de cette époque, raconte qu'un jour, il voyageait en train avec Paoli, l'un en face de l'autre, et il ne savait pas trop comment l'aborder parce que justement, il savait que Dirac ne parlait pas. Et il prend prétexte du fait que le train traverse une prairie dans laquelle des moutons sont en train de paître pour s'adresser à Dirac et lui dire: Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. Bon, Dirac, qui ne veut dire que des choses vraies, regarde par la fenêtre attentivement, observe les moutons, revient vers Paoli et lui dit: Oui, au moins de ce côté-ci. Et autrement dit, quand vous voyez des moutons tondus, vous dites qu'ils sont tondus, mais en fait, pour être sûr qu'ils sont tondus, il faut les regarder de l'autre côté. Ce que vous ne faites jamais. Quand vous regardez un verre, vous dites c'est un verre, mais l'honnêteté intellectuelle serait que vous fassiez le tour du verre pour vérifier que selon tous les angles, il est toujours un verre. Autrement dit, votre cerveau utilise un logiciel d'invariance tel qu'à partir d'une donnée partielle sur un objet, vous puissiez déduire une conséquence générale. Mais vous pouvez vous tromper dans l'affaire. Et le guide dont Dirac s'est servi pour écrire son équation, c'est exactement celui-là. Donc l'anecdote que je vous raconte, elle n'est pas si anecdotique que cela, parce qu'en fait, ce qu'avait compris Dirac, c'est que si vous voulez décrire des éléments de réalité dans le monde de l'invisible, et les particules, on ne les voit pas. Personne n'a jamais vu un électron, ni un quark, ni un neutrino, ni un photon, ni un boson de Higgs. Ce qu'on voit, c'est des effets que produisent ces particules, mais les particules elles-mêmes, on ne les voit pas. Donc comment vous allez décrire mathématiquement ce que vous ne voyez pas? Mais l'idée de Dirac, c'était de dire, les mathématiques doivent prolonger dans l'invisible les mécanismes de la vision.
C'est-à-dire, l'œil ne voit plus, mais les mathématiques continuent à voir. Et pour qu'elle soit capable de saisir des éléments de réalité, des objets, il faut qu'elles utilisent des structures invariantes. Des grandeurs, par exemple, des variables algébriques, des groupes, enfin des trucs qui ne varient pas quand on change de point de vue. Et si on décrit les objets par des grandeurs mathématiques qui sont invariantes sous certaines transformations, ces objets seront réels, c'est-à-dire qu'ils auront une existence propre qui ne dépend pas du point de vue par lequel on les considère. Et c'est ça qui va le mener à l'équation de Dirac, par lequel il a prédit l'antimatière. Vous voyez, c'est assez profond, en fait. Alors maintenant, imaginez cette situation. Dirac n'a pas réussi à dériver de ses calculs le fait qu'on ne peut pas créer un électron sans créer un positron. Autrement dit, on ne peut créer ces particules que par paire. Personne n'a jamais créé une antiparticule toute seule. Maintenant, c'est parfaitement prouvé et compris, mais à l'époque de Dirac, ce n'était pas clair. Et donc, on lui a demandé, à la fin de sa vie, il est mort en 92, on lui a demandé, mais comment est-ce que vous avez eu cette idée? Quelle est la racine de cette conviction que vous avez exprimée dès 1932, selon laquelle on ne peut créer les particules que par paire, la particule avec son antiparticule? Et il a raconté une histoire assez étonnante. Il a dit que quand il était enfant, sa mère lui avait raconté une histoire qui non seulement l'avait fait rire, mais en plus l'a tourmenté toute sa vie. Alors on va voir si elle vous fait rire, et puis on verra ensuite si elle vous tourmente. Parce que le génie, c'est le mec qui est tourmenté par des histoires qui laissent les autres complètement différents. C'est teasing comme ça. Le génie, c'est pas l'omni-intelligence. C'est un type qui, à partir d'un petit détail, change le monde, enfin, change le point de vue sur le monde. Alors, l'histoire est la suivante. Sa mère lui raconte qu'un jour, un prêtre catholique apprend qu'il est affecté à une nouvelle paroisse en Irlande. Et donc, il débarque dans ce village et souhaite faire la rencontre de ses nouveaux paroissiens. Et donc, chaque jour, il va visiter une ferme, se présente et fait ainsi connaissance avec toutes ses nouvelles ouailles. Et un jour, le prêtre rentre dans une ferme, c'est une mère de famille qui l'ouvre, et dans la grande pièce, il y a beaucoup d'enfants. Et remarquez assez vite que tous ces enfants sont jumeaux. Il n'y a que des paires de jumeaux. Et donc il dit à la mère, il demande à la mère de famille, mais madame, vous avez des jumeaux? Et la femme répond, ah ben non, mon père. Parfois, avec mon mari, on ne fait rien du tout. Bon, ça ne vous fait pas rien. Voilà. Et c'est-à-dire, vous n'êtes pas des génies. Parce que là, il y a une réponse, vous voyez, une réponse un peu décalée. Parfois, avec mon mari, on ne fait rien du tout. Cette femme n'imaginait pas pouvoir faire autre chose que des jumeaux. Elle ne pensait pas pouvoir faire un enfant unique, à chaque fois. D'accord ? Et c'est cette idée qui a amené Dirac à penser cette situation. Vous voyez comment son imaginaire s'est alimenté d'une source parfaitement exogène. C'est pas à l'intérieur même du champ de la physique qu'il a trouvé l'argument. C'est son imaginaire d'enfant qui a été alimenté par cette histoire. J'en déduis pas que si vous avez des enfants, vous devrez leur raconter des histoires un peu surréalistes comme celle-là pour que leur imaginaire soit fécondé. Mais peut-être c'est une voie. Et je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter, mais je voudrais quand même vous faire une remarque intéressante. Enfin, intéressante. C'est la première fois que je parle dans une école de commerce. Donc je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Sans doute des très belles choses. Mais j'enseigne dans une école d'ingénieurs. À des gens qui, vous êtes à quoi? Bac plus 4? Bon, pareil, ils sont à bac plus 4. Ils n'ont donc que 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et ils me scient. C'est des gens incroyables. Je n'ai jamais vu des gens aussi normalisés. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ils lisent l'éditorial de l'Express, et c'est leur viatique. C'est leur viatique pour le mois, hein, parce qu'ils le lisent une fois sur quatre. Le viatique, ils ont lu l'Express, ça y est. Ça y est, ils peuvent penser le monde. Dans le même temps, ils ne lisent pas de livres.
plus de livres. Ils ont un imaginaire dans un état pathétique, alors que vous avez 20 ans. Je veux dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donc soit vous faites vivre ce qu'il y a là-haut, soit ça sera trop tard. Et j'ai jamais vu des gens, je le dis de façon un peu provocatrice, vous mettrez les guillemets qui vont bien et les nuances qui conviennent, mais normalement, à 20 ans, on est agité. Eh bien non, ils ne sont pas agités, ils sont parfaitement sages. Ils m'appellent monsieur, enfin, c'est des comportements qui sont quand même assez barbares. Et je vous dis ça parce que ma génération, moi je suis né en 58, quand je faisais mes études, une promotion, c'était très agité. C'était très agité. Je n'ai pas dit qu'on avait raison, mais c'était agité. Les gens discutaient vraiment. Et dans le même temps, on respectait la connaissance. On n'était pas relativiste. Quand un prof de physique parlait de relativité, on était à la messe. On ne disait pas, monsieur, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Non. On ne ramenait pas trop notre aise. Mais on discutait de tout. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens n'ont pas d'imaginaire explicite et des conceptions philosophiques parfaitement relativistes. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Puis, de toute façon, il y a un gamin de 15 ans qui a publié dans Nature, ce qui est, une escroquerie médiatique. D'accord ? Chacun ramène sa fraise. Pense ce qu'il a à penser de l'univers, affirme son point de vue, sans jamais se référer à des connaissances objectives. Et donc, si vous êtes comme mes étudiants, vous êtes dans une sorte de contradiction. Ce sont des gens qui, à la fois, n'ont pas d'imaginaire explicite, et qui, en même temps, sont narcissiques. Ils sont narcissiques parce qu'ils pensent, qu'ils peuvent penser la question du temps, par exemple, sans jamais citer Einstein, sans même le lire. Ils sont assez grands, avec leur subjectivité, pour penser le temps sans tenir compte de la relativité. C'est du narcissisme. Et c'est cette alliance bizarre entre le narcissisme et l'appauvrissement de l'imaginaire que je vous propose de remettre en question.